À l'actualité des publicités, publicités étrangères, avec notre spécialiste Thomas Hervé qui est parti chez ses parents à Cannes. On continue donc cet été et Thomas nous fait voyager pas à côté puisqu'ils nous offrent un billet pour le pays des kangourous. Vous allez voir, vous ne connaissez probablement pas la publicité australienne. Regardez. Bonjour, aujourd'hui on va se mettre la tête à l'envers. Puisque je vous propose de partir de l'autre côté de la planète, chez les Australiens. Attention, ce n'est pas parce qu'ils vivent dans l'hémisphère sud que tout de suite ils sont vraiment différents. Mais sinon, pour le reste, c'est exactement comme chez nous, hein. Enfin, presque. Il n'y en a plus. Toby! Toby! We'll be late! Un verre, ça va? Trois verres? Bonjour les dégâts. Vous connaissez tous la série Alerte à Malibu. Ben si, Alerte à Malibu, des secouristes, de grosses bouées de sauvetage qui viennent à votre secours au ralenti, en cas de noyade. Sauf que Malibu, c'est une plage californienne. Alors comment ça se passe sur une plage australienne? Bah, mal. Forcément. I got you, son. I've got you. Where are your parents? Bon courage, hein, pour le bouche à bouche avec le fin. Maintenant, nous allons parler moyens de transport. Alors, je sais, vous allez me dire, ils sont australiens, donc ils se déplacent à cheval, en kangourou, ou en hélicoptère. Bien, pas du tout. Ils ont de bonnes vieilles bagnoles. Mais que se passe-t-il le jour où vous avez une jambe dans le plâtre et que vous ne pouvez pas conduire? Honey, I'm hooked. Hooked on you. I'm all shook up. It only took a minute or two. My heart soars like a bird on the wing. I'm a fish on a string. Honey, I'm hooked on you. There's so much about you. I can't live without you. I gotta say, from the moment I heard the sound of your words and saw the way. Introducing the all-new turbocharged Anderson. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Retour en France. Au fait, c'est quoi la capitale de l'Australie? Sydney? Non. Perth? Non. C'est Canberra. Canberra, la ville. Quand on verra la ville. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un bâton de pluie. Parce qu'il n'y avait pas un didgeridoo, vous savez, la racine creuse dans laquelle on fait ça souffle et on fait comme ça. Voilà. Vous faites très bien le didgeridoo. Ouais, le bâton de pluie aussi. C'est fou, hein. C'est fou. Non, ça fait plus vaporisateur, ça. Alors, voilà. Ah si. On va conclure ce bloc-notes musical avec un conseil.